spécial Sénat qui a analysé dossier Premier ministre nommé, nous connaissons haut la main, li passé sans garder des députés voter d'après ça dit et pour qu'elle retire pays à dans sa lié, c'est comme si c'est premier ministre Jovenel Moïse a gagné, pas de gouvernement qui était passé avant, pas de docteur Lafontaine, pas de médecin, c'est premier gouvernement pour le monter. C'est ça fait dit tout problème pays a gagné pour le résoudre selon partisan pouvoir. Et d'après sa président commission ça fait connaître non Sénat et ancien président Sénat li a dit que li promet pour le remettre bureau rapport li a jeudi à même d'après ça le fait connaître gain trois sous-commissions qui t'a travaillé et qui mené enquête dans la cour des comptes immigration archives nationales DGI n'attendé sénateur Ronald Larèche dans micro Vidner Joseph immédiatement commission a été formée et nous t'est formé trois sous-commissions. Trois sous-commissions, c'est une sous-commission qui était allée dans DGI pour vérifier pièce, déclaration définitive d'impôt sur le revenu et des propriétés, est-ce qu'ils ont enregistré dans DGI et d'autres documents que Moun Sao qui est capable de venir ministre. Et il y a une sous-commission qui était allé dans l'archive nationale avec immigration au regard de l'article 172.1 de la Constitution et l'article 157 de la Constitution qui fait une obligation pour que moun sa yo de nationalité haïtienne et moun sa yo joue de ses droits civils et politiques et yo paye redevance fiscale yo et si yo pas comptable de denier public. Et te gon l'autre commission qui était allé dans la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et nous, tout travail ça a fait et nous avons un rapport. Et dernier rapport nous avons supposé gagner et nous recevoir li, c'est rapport pour des comptes là. Et nous trouvons rapport là et rapport là. Et qu'on y a là, c'est technicien qui ensemble avec nous qui travaille pour finaliser rapport là. Rapport en phase finale et nous avons un dernier bail nous avons analysé la question titre de propriété. Nous gardons titre de propriété, nous analyser. Et parce que nous parlons produit rapport là. Pour le moment, rapport là, en phase pour finaliser. Si pas un inconvénient, je pense que jeudi à la même, nous avons remettre rapport là. Mais rapport pour remettre. Nous avons remettre rapport à bah, bureau Sénat. Mais jusqu'à présent, pendant que je parle avec nous, c'est travail. Pendant que nous prenons la presse là, c'est travail, nous parlons travail encore ensemble avec les techniciens pour finaliser le rapport là. Dernier bagage nous avons pour nous faire, nous avons analysé le titre de propriété et nous finalisons, nous gardons et nous parlons finaliser le rapport là. Parce que nous-mêmes, nous avons responsabilité. Non tant record, malgré qu'il y a des gens qui te dit que même document chambre des députés a été capable d'utiliser, n'était capable d'utiliser ou non. Nous-mêmes, nous aller dans institution publique pour nous faire recherche et nous gagner des résultats. Et nous te parle avec qui c'est cours des comptes, qui c'est DGI, qui c'est immigration, qui c'est archives nationales pour nous être capable de gagner document ça au rapport ça au non tant record. Hier, il était environ 5 heures de l'après-midi, nous sommes obligés dans l'institution Zaro pour que nous-mêmes nous sommes capables de faire des recherches pour nous garder autant de monde qui vient pour ministre. Et je pense que nous avons tous les documents là. Et nous avons nos documents de manière rapide, c'est parce que nous avons une première demande qui était faite par la Chambre des députés et nous avons été conservés dans l'archive. Et immédiatement nous-mêmes nous allons, nous avons fait copie, nous avons authentifié, nous avons remettre nous. C'est-à-dire nous-mêmes au niveau de la commission qui a 9 femmes là, dans 6 membres qui sont présents. Et parce que nous travaillons et nous produit rapport après-midi à même. Voilà, c'est le président de la commission, ancien président du Sénat, sénateur Nord-Est, Ronald Larèche, dans le micro Vinner Joseph, vice-président même commission, qui travaille sur le dossier, premier ministre qui vient de laisser passer sans garder derrière dans la chambre des députés à semaine. Ça, c'est sénateur Grandos et Jean-Hugo Bélizère, vous voyez, j'étais critique sénateur opposition et offert. Qui dit pas de quorum dans le moment commission ça t'a formé et sénateur Gredeslan précisé depuis gain 16 sénateurs dans salle là assemblée a gain droit pour prendre toute décision li gain pour prendre sénateur Bélizère critiqué en pile dans collègue li yo il dit qu'il pas jamais vinn
fait travail n'a cité population voyé au vin fait dans Sénat. N'a pas des sénateurs Jean-Hugo Bélizère qui vice-président commission et spéciale qui formait pour étudier dossier premier ministre et qui passait déjà devant chambre députée à cabinet ministériel li. Et il était parlé comme ça dans le micro Vinel Joseph. Nous même au niveau de la commission, nous avons responsabilité pour nous travail sous question et dossier premier ministre. Heureusement, après des séances marathon, parce que pas oublié lundi, il y a une conférence des présidents, sénateurs, pour des raisons, et il n'y a pas de cas dans la séance. Mardi, nous avons pas de présenter. Mercredi, nous avons une chance de quorum. Et de vous avez quorum, vous pouvez prendre toute décision au niveau de l'Assemblée des sénateurs. C'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui est fait. Commission a monté. Et aussitôt que la commission a monté, puisque le collègue Yuri a demandé pour jusqu'à 2h jeudi pour le bail 3 membres qui lui-même a demandé pour le groupe 8 sénateurs qu'il dit qu'il considère un groupe que nous-mêmes, par compromis politique, nous acceptons avec lui. Mais hier, jusqu'à 2h, 3h, eh bien, nous n'avons jamais arrivé à une chance de gagner 3 sénateurs pour compléter la commission. Étant donné qu'au niveau de la commission, de même que au niveau de l'Assemblée, c'est courant pour gagner. Parce que nous n'avons pas obligé aux sénateurs de participer à la commission. Nous n'avons pas obligé le président Yuri pour le porter 3 membres. Donc nous-mêmes, nous face à responsabilité, nous avons fait travail. Étant donné que la question du premier ministre, c'est une question qui est fondamentale pour le pays, nous pensons nous-mêmes, nous n'avons pas arrêté à chita à attendre de manière indéfinie. Pour toi, Mme Sayo, vient travailler au niveau de la commission. Voilà, c'est pour cette raison que nous-mêmes, nous faisons travail. Voilà, sénateur Jean-Hugo Bélizère, vice-président de la commission qui a analysé le dossier, premier ministre qui passait déjà devant député à cabinet ministériel. Il y a qui te parlé comme ça. Mais il faut que nous disions, concernant critique et concernant bureau, hein, deuxième secrétaire bureau Sénat, Willow Joseph, sénateur plateau central, là, te dénoncé façon président. Carl Murat-Cantab formé commission spéciale, ça justement, qui a analysé dossier et premier ministre nommé, hein, bon, fait, qui déjà franchi une étape et qu'on connaît avec membre gouvernement. D'après sa parlementaire, plateau central là, fait connaître, qui est lui à Babanye PHTK, il dit pas de quorum dans la séance qui était faite là, pour te mettre commission campée. Commission ça a monté d'après Willow Joseph qui fait partie de sa majorité présidentielle là dès la loi n'attend des sénateurs Willow Joseph. Commission va reformer parce que il y a des conditions pour le former et ensemble sénateurs mandé à ce que une commission président qui élargit un président là en commission large qui pour faite pour que conférence en fait pour que nous décider ensemble. Mais si c'est bagarre deux trois monde qui réunit un groupe et puis on est décidé c'est pas ça parce que ça privé. Assemblée sénatoriale, son assemblée éminemment politique. Elle dit chaque monde qui la donne, il y a intérêt par yo. Elle dit là, pas une question de mettre un groupe sous côté, protéger un autre groupe, c'est pas ça lié. Les sénateurs, j'ai l'impression que c'était 15 sénateurs hier qui étaient présents, et que l'autre sénateur était demandé à ce que pas de venir, contrairement à Mati sans aucun problème, l'autre zone dans le pays, il n'y a pas de venir, il demandé à ce que lundi, pour qu'il y ait une commission largement large, et une conférence des présidents largement large qui fait, pour que tout le monde participe. Et mon question là, tout le monde a privé. Le président vient de publier un bagage. Ça arrive souvent. Ou qu'on publie un bagage, on dit bon, ou rentrer, ou publier un autre, sans aucun problème. Quand on a arrêté le président, c'est le résultat là. Et tout le monde n'est pas présent. Et vous voulez assurer au président lundi que la conférence des présidents fait pour que tout le monde participe. Et c'est le deuxième secrétaire bureau hein, qui est élu à Banier PHTK, Willow Joseph, qui a fait déclaration ça. Et le président Sénat Calmu à Cantave, tu as protesté pour dire que tu es quorum. Et nous, question quorum, ça continue à faire débat parce que dit pas de quorum pour te monter commission spéciale pour analyser dossier premier ministre avec membre cabinet ministériel. Et mais tout, même sénateur Willow Joseph, ça te fait une autre déclaration choc hier, côté lui dit pas de quelle provision légale pour exiger 6 sénateurs, ça veut dire 2/3 dans le Sénat, aller après deuxième lundi janvier 2020, genre que la Constitution exige. Sénateur et opposition yo yon adèk t'a parlé dans non tout qui pas directement concerné lui-même n'a parlé de sénateur Niplan puisque mandal pas privé dans bout li dans occasion ça et sénateur Nenel Kassi voyé l'idée Willow Joseph l'a jeté qui mandé pour 10 sénateurs yo t'a prolongé mandat après deuxième lundi janvier 2020 sénateur Niplan Nenel Kassi
et qui pas concerné préciser collègue Lio yo clair pas gain rien cap faire yo rete dans parlement après date constitutionnelle ça deuxième lundi janvier 2020 parlementaire a rappelé population depuis longtemps a demandé pour parlement ça aller et yon l'autre côté sénateur Niplan annoncé dans cadre séance ratification premier ministre nommé qui a préparé là il dit groupe 4 ça au sujet qui était empêché dans action été fait contestation avec un pile vigueur il y a des monde qui dit de façon très violente et peut empêcher la paix de une faire déclaration politique générale était seul moyen yo dit te gagner pour te faire ça de faire qu'on est yo pral bataille pour faire la loi respecter dans pays il dénonce commission qui monte dans sénat commission spéciale là pour analyser pièce premier ministre ça et nous connaît c'est un boulevard li joine dans chambre député a li même ak membre cabinet ministériel n'attendé sénateur Nenel Kassi nan micro Ketia Jean-Pierre Tello peuple a dit li même li pas dans prolongation de mandat parce que li pense que parlement qui la pas répondre avec desiderata lio pas répondre avec revendication li pas gagner pour peut-être opter pour et prolongation mandat ou bien pour opter avec un mandat de 6 ans pour tout sénateur. Dans ce sens, nous-mêmes, on dit que n'a pas tendre voix de la sagesse parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Au niveau groupe 4 là, nous avons 3 sénateurs qui mandat est fini. Nous concertons sur ça et nous dit en ce qui a trait avec position PAN par rapport avec conflit constitutionnel qui vient là, nous-mêmes nous opté pour nous être capable d'obéir avec les revendications population. Parce que les revendications population là, les plus loin que mandat du sénateur qu'on fait. Revendications population, il dit faut que le cadre du système qui l'a cassé, faut que tout le monde qui est élu d'accord font sacrifice pour nous faire saluer un nouveau départ. On croit que nous-mêmes nous avons toujours dit ça, nous prêts. Et nous sommes toujours prêts et nous prêts toujours pour des cas où nous voulons dépasser en fait sous base sacrifice que nous chaque nous avons fait. Même gens, 3 collègues sénateurs qui sont prêts pour y aller en janvier. Moi-même, tout si je dis qu'on nécessite que le président Jovenel ou bien M. Jovenel qui n'a pas le national avec l'autre collègue sénateur, l'autre élu qui est dans le pays, il y a une disposition pour sacrifier ou bien pour mettre le mandat dans le pour mettre le mandat en discussion, nous-mêmes, au niveau du groupe 4 là, et tout l'autre collègue sénateur qui en dans l'opposition, ils ont partagé la position. Nous-mêmes, nous disons que la bataille nous a axé sur le respect de la loi. C'est vrai, nous pouvons exhiber ensemble près des droits que nous gagnons. Nous pouvons faire mettre la population au courant de toute irrégularité que nous détectons. Même quoi avec des bacs-pralquins, avec les positions qui nous prennent, et la population a fini par effectivement, nous-mêmes qui touchons à beaucoup de la loi, qui n'a bien raison. Nous ne pouvons pas étaler toute stratégie qui nous vient dans la presse. Nous ne pouvons pas taper des pontons pour jouer un jour d'hier pour nous dire exactement ce qui va se passer. Mais nous quoi, population, ça compte sur nous, et j'en toujours dit, et dans 4 batailles qui nous fait respect la loi, pour respecter la constitution et pour respecter les lois de la République, pour respecter le règlement intérieur. Par exemple, mon le président Kantal, ce fond bagay là, que nous-mêmes nous dénonçons avec toute force, nous dit commission qui monte à son commission. PHTK, ce n'est pas commission pas nous, ce n'est pas commission qui reflète toute tendance en dans le Sénat. Et ça veut dire que le président Kantal a ressaisi pour l'État mettre la question en discussion. Et si l'elle mettait la discussion, nous-mêmes, nous devons opter pour ne pas participer à la commission. Mais pas capable intentionnellement de cadeau écarter le groupe Panouan pendant la fête qui combine, la fête qui réunion en cachette. Et c'est ça que fait dit le même jour, nous-mêmes, sénateurs de l'opposition, nous déclarons non seulement la permanence, mais nous en état d'alerte. Et pour quelle que soit la situation, pour ne pas échapper nous, et pour nous à défendre avec toute énergie, avec toute force, intérêt population. Sénateur Nenel Kassi, dans le micro, Ketia Jean-Pierre Taylor, le sénateur a dénoncé Jovenel Moïse, il dit qu'il transforme la compagnie là, il prend COB dans le programme Petro-Caribe Agri-Trans, il fait le tourner quoi là, sauf Fidaï,
et li di ki se yon entente konfyolo entre lui-même à gouverneur Banque Centrale là Jean Baden Dubois entente entre Jovenel Moïse avec lui et pour être capable bali un autre mandat dans tête Banque Centrale là li bali yon licence banque agricole parlementaire a dit c'est conseil Banque Centrale là gain explication pour le bail population n'attendé sénateur Nenel Kassi qui te parlé comme ça toujours dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Comment comprendre que Jodia Jovenel fait en compagnie qui est Sophie Daï. Sophie Daï là qui ça le fait là-dedans, lui prend tout ancien membre Agritrans qui est dans le conseil d'administration Agritrans qui est couvert des comptes et toute l'autre instance qui a boumé contre corruption dit que film ça c'est un film corruption, son film qui a fait vol, amène prend tout les mettre dans le conseil d'administration Sophie Daï là. Et Sophie Daï là son deal fait entre gouverneur Banque Centrale là pour être capable de permettre qu'il reconduit mandat côté lui injecter environ 100 millions de dollars dans compte Sophie Daï. Et c'est dans même Sophie Daï ça côté le va tirer un grain de monde là-dedans pour quitter Agritrans et que couvrir des comptes et toute l'autre instance dit monde ça yo pas crédible il va tirer un là-dedans pour le voir à directeur FDI. Ça, c'est ce qu'on crie, ça, c'est la mafia, ça, c'est scandale. Ça veut dire ça, ils n'ont pas qu'à accepter, je ne veux pas dire, ça veut dire à tout prix pour le piller comme pays. Pendant ce temps, vous entendez, vous venez à plein, ministre de finance à plein, qui n'ont pas joué une COP pour mettre dans la FDI. À mes côtés, vous jouez une COP ça. Est-ce que c'est dans la réserve Banque Centrale qui prend comme ça pour mettre dans Sophie Daï? Qui côté jeune comme ça qui au bas Jovenel, à qui taux d'intérêt que Jovenel prend comme ça dans la Banque Centrale et puis il va le prêter moun. Et qui est-ce qui dit qu'il va le prêter moun comme ça, oui, ça veut dire comme ça, c'est comme l'État, la banque fait fonds, les gaz, etc. Je dis à quoi qu'on menace au pays a, par rapport à l'ensemble des mondes qui ne respectent l'État, qui prend engagement pour travailler avec Jovenel au détriment de l'État. Pourquoi gouverneur Banque Centrale là? Équipe Banque Centrale là, conseil Banque Centrale là, il y a un pile d'explication pour le bail PIA et on croit ça après le faire. Un débat non seulement national, mais international. Parce que ce sont des institutions qui affiliées avec l'international. Par exemple, la Banque Centrale, il n'est pas traité seulement pour Haïti, mais il fait relais avec l'autre et PIO en matière de cadeaux de politique monétaire. Voilà.